Yo tout le monde, c'est Thiam. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, le 27... 26... Attendez, je vérifie. Le 28... Ah bah, voilà. Le 28e épisode donc de Rome de Total War, dans lequel nous jouons l'Égypte. Alors, la dernière fois, on avait fait tomber Pompée... Non. On avait fait tomber l'épide. Voilà. En plus de Pompée, hein, qui était tombé déjà il y a quelques années dans le jeu, bien sûr. Ah oui, voilà. Et on développait énormément les infrastructures. Ah oui. Et les marcomans nous envoyaient des gens. Des méchants. J'ai pas d'autres mots. Des méchants. Alors, je vais faire un bouton comme ça, je vais plutôt le faire comme ça. Pour... Voilà, et là j'avais une petite armée. Oui, voilà, c'était pour juguler la sécession, qui s'est jugulée toute seule. Hein. Ah oui, avec une bataille chelou là, encore. Là. Et on avait fait passer aussi, on s'était mis en empire. Et non, en royaume. Ah, il a quand même 7% d'influence, hein, c'est pas mal. Hein. Ça fait beaucoup d'influence. Gliquer, mais... Ah zut, son mari a dû mourir à un moment où j'ai pas regardé. On va le remplacer le général. On est bien. Par exemple, lui, elle, lui, elle, elle. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal, j'étais pas sûr. Nous vivons pour la bataille. Ah. En rêvant, la savourons quand les autres sont bien gras. Et vous j'ai avez bien fait l'air dodu. De faire attention à ça. Donc j'ai pas été rejoint par Octave, et bah Octave, on va cesser toute, mais absolument toute négociation, tout traité avec lui. Voilà, j'ai des alliés. J'ai des alliés vers chez lui. Donc on va lui casser la tronche. Alors, on va quand même prendre le temps. Hein. Mais voilà, le but c'est de lui casser un petit peu la binette. Alors. Toi déjà t'as refusé de me rejoindre donc. Les dieux nous bénissent de votre. Les dieux y bénissent rien nos du tout. Nos marchands n'apprécieront. Très... Je suis sûr que vous avez d'autres plaisanteries en réserve. C'est mais pas... ne vous embêtez pas. Parlez crûment, sans fioriture. Hein? C'est bugué ça. Oui, ah. Voilà, traité de paix. Voilà, il n'y a pas les confédérations celtes à un endroit. Ah ouais. Et on va se venger. Donc là, de ce que j'ai vu, il nous a déclaré la guerre. Hein. Très très bien, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que eux ils sont en guerre contre tout le monde aussi, hein, contre tous les alliés. Voilà. On va aller chercher les villes, une par une. Aucun problème. Armée qui traîne dans le coin. Ah ouais, mais il n'y avait que ça là. Ouais, je vais lever des armées là, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir dépenser de l'argent pour lever quelques armées. Ouais, cavalerie ptolémaïque.
Ici, j'ai de quoi défendre. Ouais, mais j'ai pas de... Ah, j'ai pas de cavalerie, ça c'est pas bon. On va aller jouer avec les molosses. Donc, attention aussi, il y a une belle armée. Nicomédia va avoir de quoi se défendre, donc je vais envoyer mon armée au Dessos. On va commettre un raid. Voilà, ça a baissé. Ah ouais, quand même, il a du... Il y a du monde, hein. C'est peuplé par là-bas. Oula. Je voulais voir aussi au niveau de 78. Eh, on se rapproche, hein. On se rapproche fortement. À ce niveau-là, je vais aller sur le BIA. Voilà. Ça le fera réfléchir à deux fois. Ici on est bien, ici on est bien, ici on est bien. Ah bon bah, pas besoin de faire bouger ce front pour l'instant. Ça paraît, c'est une vieille armée en vrai. C'est pas très très en forme. Moi, Cilia, ils se débrouilleront bien sans moi. Hop, tiens, on va aller tout là-bas. On va faire le tour. Ça va mettre du temps. Hein. Ça va mettre du temps, mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose cette flotte actuellement. Voilà. Je risque de me faire attaquer quand même, au moins sur un village ou une ville où il n'y a pas de défense. Il va falloir que je gère ça avec des montées d'armées mercenaires à la va-vite, si j'arrive à le voir. Sinon, bon, bah, c'est pas grave, on perdra une ou deux. Comment ça? C'est pas un allié militaire, ça? Bienvenue mon ami, bienvenue. Au nom de mon seigneur, je vous donnerai une réponse juste avant le coucher. Bon, on va commencer à se méfier de tous nos alliés apparemment. Peu meilleur ici. Ouais, on va partir sur du garde Galate. Garde royal Galate, pardon. Alors, on continue les raids. Ça fait mal. Ouais, je sais pas si ça va passer à mon avis. Alors beaucoup de pertes, ouais. Bon, je peux continuer le siège pour un tour. Ok. Bingo. Qu'est-ce que je disais? En plus là où faut pas quoi. Je vais faire une embuscade, on va voir ce que ça donne. On a une embuscade là sur la route, ça devrait être pas mal. Hop là, il y a qui perd la vie, mais en plus c'est mon allié, c'est dommage. C'est mon allié qui perd la vie. Hatra
Ouais, une belle armée. Non, bon bah on va rester comme ça. Hein. Là, ça monte, mon armée se monte tranquillement. Ah, il y a du monde là. Ah, il y a de l'armée lui aussi. Hein. Ah, bah, coco. Ça fera une menace en moi. Ça fera une menace en moi au niveau du sud. On maintient le blocus, hein, le but étant. Le but étant juste de. De détourner l'attention, on va dire, de la Confédération germanique. Alors. Il a attaqué Pul. Putain, va. À espérer que les murs soient mieux faits que sur les autres. Parce que si j'arrive à bien casser les unités de siège faites à la va-vite, c'est gagné. Dans le cas contraire. Au contraire, c'est une belle défaite, je pense. Enfin, c'est gagné. Disons que je vais piquer pour tenir un peu mieux. Voilà, de nuit. Et avec la pluie. Et. Et je peux mettre qu'un seul engin. Non, les deux là, ils sont pas mal. Mais du coup, les engins, ils vont pas pouvoir tirer d'unité enflammée. Là par contre c'est bien là. Là au niveau des tirs c'est pas mal. Alors, regardez, c'est gratuit là. Là toute cette partie là elle est défendue entre guillemets. Enfin elle est inaccessible à cause des bâtiments. Général, ici est paré, en formation phalange. Nous servons le puissant pharaon. Mais il n'y aura pas de feu. Maintenez la position. Infanterie, lance projectile paré. Populos. Pour l'Égypte. Infanterie égyptienne. Infanterie de mêlée paré. Ah, je vais essayer de bloquer comme ça. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer tant que j'ai pas de. Position défensive. Oula, non. Prêt à marcher. Tant qu'ils sont pas passés, tant qu'ils ont pas cassé la porte, je vais défendre comme ça. Et ça va être tendu, les gars. Ça va être tendu, là, je vous le dis. Niveau portée, ça donne quoi? N'oubliez pas pourquoi nous sommes là. Derrière nous se trouvent nos familles et notre peuple. Nous protégeons ces murs pour les défendre. S'ils viennent à tomber, si nous échouons, plus rien n'empêchera les ennemis de massacrer les nôtres. Il va falloir être très précis là. Oh la vache, ma souris là. Elle... C'est vrai que c'est plus précis du fait qu'elle soit pas enflammée les rafales. Hein. Il me semble que les rafales enflammées ont un malus de précision. La sensibilité de ma souris là parce que c'est infâme. Ouais, là j'utilise beaucoup de munitions pour casser. Hein. Aïe, ça sent pas bon. Oh non, en plus si ça tire à côté là, ça y est. Bah non, pas une fois à gauche, une fois à droite. Ah putain, ouais, je suis obligé de décaler manuellement là, je suis obligé de le faire en auto-tir. Parce que là il n'y a pas là. Et on enchaîne là.
Ok, yes. Et deux off. Il va falloir être fort. Il va falloir, falloir bien tirer, les gars. Ça va. Ah purée, ouais, mais lui, il va arriver avant de l'autre côté, là. Allez, 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 on donne tout. Oh non, lui il va arriver derrière. Oh non. Yes. Oh yes. Oh yes, c'est bon les gars, je pense que on peut gagner. Voilà, les échelles sont tombées avant d'arriver. Donc forcément, hop. Je vais replacer. Ça va mettre du temps à tomber. Hein. Forcément, ça mettra du temps à tomber la porte. Normalement, hein, parce qu'il y a quand même le feu. Enfin, il y a quand même la pluie, donc ça va être difficile pour mettre le feu. Ils sont motivés, les gars. Ils sont motivés de ouf, hein. Alors, à quel point ça tombe? Ouais, ça a du mal à prendre feu. Tant mieux, tant mieux. Merci le temps humide. Infanterie égyptienne, front 2. Ouais, ça tire. Nous visons avec fidélité. Front 2. C'est le premier rang qui tire. Lui là, je vais vite tirer sur le général, ça se passe comment? Pas le général ça, hein. Ou alors il est lui. Alors je suis pas au courant de certaines choses. Voilà, en plus c'est de la cavalerie donc ça coûte cher que le canon. Ouais bon, plus qu'une munition. Ouais, je vais faire vite tirer sur le général. Ouf. Des flèches, ça. Oh, sniped. Il va résister. Vache. Il est où, en général? Je ne sais pas. Il n'a pas de casque, là. Ah, si, un casque. On reconnaît au bouclier, en général, il a un bouclier différent. Ça doit être lui, ouais. Tant que la porte est brûle, on est bien. La vache, ils sont pas beaucoup, ils résistent. Hein. C'est pas facile de mettre le feu. Attends, pourquoi c'est. Généralement ma populace qui prend autant de dégâts que ça. C'est eux là qui font mal. Ouais, j'ai pas l'impression. Hein. C'est pas grave, tant que c'est la populace. Là, ça y est, ça commence à faire des dégâts là. Ça commence à faire des bons dégâts sur la porte. Ça commence à brûler dur là. Fronder. Okay, Fronder, là ils sont à court de munitions. On va remplacer les unités par... Ah, non, pas rien. On va par les infanteries égyptiennes qui ont quelques unités, quelques armes de lancer. Qui sont en général un peu plus efficaces. Voilà, qui en général font un peu plus de dégâts. Ça a du mal à cramer. Hein.
ils sont presque... Par contre, il y a beaucoup moins de munitions, c'est clair. Ils sont motivés, c'est bien, c'est bien. Ouais, ils ont presque plus de munitions à leur tour. Non plus. On va les remplacer. J'en ai d'autres. Allez-y les gars. Oula. Ah ouais, là ils ont reçu beaucoup d'unités, ça se voit. Même lui il a presque plus de munitions. Aïe. Ça crame de plus en plus. On a en munitions les gars. 50, ouais. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Ralentier, maintenez, ouais, ce sont des petites unités ça. C'est vraiment pas les meilleures unités qu'ils ont. Jeune Germain, ça a piqué ça. Ça a piqué quand ils vont arriver là et qu'ils vont tout balancer sur les piquets, j'ai envie de dire. Les portes ont cassé là ? Non, même pas encore. Je vais mettre les fondeurs derrière. Et je vais mettre la populace comme leur ici. Et ici. Ah, ça y est. Oui, ça crame bien. Ça crame bien, heureusement que j'ai la formation adéquate. Qu'est-ce que... Ah, j'ai les deux tours là-dedans qui tirent. Ah ouais. Excellent. Ça, c'est des pyramides nubiennes. C'est pas des pyramides égyptiennes, c'est nubien ça. Voilà. Un petit bug visuel. Excellent. Excellent. Pardon. On retourne à la bataille. Hein. Voilà, le but c'est qu'il vide les munitions là sur les unités. Mais c'est bon, quand il a dit. Ouais, il se baladait avec. Il était bien planqué lui, hein, il a pas eu de chance. Hein. Infanterie égyptienne. Avancez en vitesse. On se prépare à aller derrière. Infanterie de mêlée parée. Infanterie égyptienne. Ouais, ça creuse bien au milieu là, on va redonner un petit coup inverse. Il y a toujours les. Bon, vous allez regarder si lui prenait encore dans la lune, parce qu'on n'a pas de lune brillante. Apparemment, non. Elle est excellente, tout ça. Qu'est-ce que. D'accord, ils font des allers-retours. Original ma foi. Allez, poussons-les un coup là. Bah, le but c'est que je reprenne le. Ouais, que je reprenne le bâtiment et voilà. Repliez-vous ! On revient. Et là, normalement, ça va lâcher de l'huile comme il faut. Voilà. Ça fait mal. Ça leur fait bien mal. Hop, ça va pas en lâcher plus un là. Normalement. Ouais.
pas les pousser de loin. Par contre, je prends quand même beaucoup de dégâts. Hein. À ces chasseurs, etc. là derrière. Accélérons tout ça, voilà. Ça nous a pris le point là, et hop, regardez. Non, le bouillant, t'as pas fait tout le seul quoi. Au général là derrière. Oula. Ça, c'est pas bon ça. Attaquez leur position. Nous sommes à vos armes. Je vous défends. Ouvrez l'œil. Le but là c'est de leur faire perdre du moral. Piquez. Bien compris. Au pas de course. Leur up. Populace. Non, sérieusement. Faites couler leur sang. Avancez en vitesse. Voilà. Ça, on reprend le point. S'ils veulent passer, bah dès que ça tombe, ils se prendront des dégâts. Et voilà, l'huile bouillante. Et c'est la victoire. Ouf. Quand même une défense héroïque hein, de la part de l'armée de garnison de Poulpoudeva. Mené par Akamas contre Théodoric. Bravo à eux. Bravo à eux. Là, on ne peut rien dire à part bravo à eux. Aucun reproche à faire. Et reposer en paix ceux qui ont donné leur vie pour Poupoudeva. Ah bah. Ah oui, mais là c'était normal. Résolution automatique, on va déclinerer. Et pareil, on tue les captifs. Ah mais après, pour une fois j'y suis pour rien, enfin pour une fois. Il a commencé. C'est tout. Il a commencé hein. On va repomper Antoine. Non, je crois que d'ailleurs le seul à qui j'ai déclaré la guerre, c'est Antoine. Hein. Non, elle est du Mnones, mais parce que elle joue d'alliance avec Octave et qui au final ne tient pas sa parole. Et sinon, j'ai été réglo. J'étais un peu plus réglo. Allez. Ah, sérieux, tu veux pas aller plus en forêt là, plus en montagne? Et la balade de santé, ça suffit maintenant. On y va, seigneur. Allez, direction Palais de Naval, tour prochain.
peut-être Nessos, hein. Nessos qui devrait. Qui sera attaqué, ça sera à voir. Ouais. Rassemblement de la flotte. Allez. Deux tours. Voilà, défense, parfait. Sabotage, on fait un petit raid ici. Ah, il doit avoir des bonnes stats hein, lui à force de. Non, oh, peut-être pas tant que ça au final. Ah oui, c'est celui qui se brouillait la main tous les deux minutes. J'avais oublié ça. Alors reprenons. Oui, on a l'hippodrome. Ah, on a mausolée royale aussi. Qu'il faudra faire le temple de Zeus Amon. Ah. Mais ça c'est Lady donc hop. On va basculer comme ça. Monseigneur. Ben voilà. Franchement, est-ce que c'est magnifique? Je vous dis, c'est magnifique. Tous les hommes doivent servir. S'il meurt de faim. Lui, il s'est pas déplacé beaucoup. Ah, donc on se prépare à taper du Octave. Hein, et, enfin, on se prépare à une déclaration de guerre de la part d'Octave. Puis si c'est pas de lui, ça viendra sûrement de moi. J'aime pas trop les traîtres comme ça. Hein, c'est pas mon dada. Comme la nuit midi, tu vois. Essaye de jouer un double jeu, bah non, ça marchera pas. J'aurais donné le choix. N'a pas voulu. Nos parties créées. Ah. Les familles juives. Alors. Teste les Romains, ça me va. Aime les barbares. Aime les orientaux. Ah bah, ils vont être déçus, hein. Ils vont être déçus, hein. À part déteste les Romains. Le reste, ça va pas les enchanter plus que ça. Ah, je vais avoir une petite rébellion ici. On va avoir une rébellion, autant casser toute la tête. Voilà. Allez, Patavium. Même punition. Ça bouge pas. Ah, les Maoris qui sont arrivés là, bien, parfait. On profite Africa. Donc, on va faire déplacer l'autre. Zuit. Ici. On va les forcer à nous attaquer. On va juste recruter un peu de cavalerie ptolémaïque. Alors on était là, Ethiopia. Oh, oh, il va y avoir des revenus par là. Hein. Ah ouais, il va y avoir beaucoup de sacrés mon revenu. Ah, dès que ce sera amélioré, il va y en avoir hein, des thunes à se faire ici. Hein. Oula. À l'assaut de la colonie. Ah oui. Attends pour moi, je vous avais oublié les gars, je bien, ça arrive. Allez, on occupe. Ça doit être quoi? C'est à Pelennava ou Piscule, je crois. Il y a des terres fertiles en plus, donc si on peut le faire mourir de faim. Ok, bon bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Épisode prochain, si je n'oublie pas. Rébellion. Ah oui. On reprendra Mediolanum. Hein. Mais on ira se taper contre la Numidie hein, qui nous a trahi la dernière fois.
pas de suite contre Octave. Parce que j'ai pas encore les. J'ai pas encore les armées nécessaires ici. Oula. Je commence à faire de la perte ici. Et ouais, on rentrera un peu plus dans le territoire de la Confédération germanique. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Allez, c'était Thium. Ciao.